Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour customiser ce petit carnet qu'on trouve chez Action en plusieurs lots. Alors, on va le customiser avec les dice fées que j'ai trouvé récemment, qu'on retrouve en ce moment chez Action. Alors, je vais utiliser aussi ce dice-ci que j'avais trouvé chez Noz il y a quelques temps. Enfin, dernière, je crois que c'était. Alors, je vais utiliser celui-ci. Alors, ensuite, je vais utiliser cette feuille-ci. Alors, je vais vous donner les dimensions. Je vais recouvrir le petit carnet avec cette feuille. 21,5 sur 15. Voilà, je vais venir recouvrir mon petit calepin avec ça. Mais avant, je vais foncer les bords avec du Merlot Magique. De prendre un papier. Alors je me suis préparé également deux petits rectangles de 14 sur 10. J'en ai fait deux et j'ai fait mes deux découpes, une vers le haut et une vers le bas, pour faire le devant et le derrière de mon carnet. Ensuite, il va vous falloir aussi deux découpes de fées, mais bon, ça on le verra plus tard. Alors je vais venir déjà ancrer les bords de ma feuille. Voilà, les bords de ma feuille sont ancrés. Je vais venir coller ma feuille sur le petit carnet. Donc, je vais coller avec cette colle-ci. Voilà, une fois collé, on le met de côté. On va venir prendre un autre rectangle. On va venir les ancrer, comme on a fait pour la couverture. Voilà, mes deux papiers sont ancrés. On va venir prendre du double face. Je vais prendre le double face moquette de chez Action. Et on va venir mettre du double face derrière mes deux papiers. Bon, j'ai pas une jolie plaque de travail là. C'est la toute première plaque que j'ai eue et elle a subi des assauts de mon cutter, de mon scalpel. Alors, je vais faire ça sur les deux. Je fais pareil sur l'autre. Voilà, les deux plaques sont collées. Enfin, la double face est mise sur les deux côtés. Est mise sur les deux côtés, oui. Et ensuite, je vais venir prendre des paillettes. Un papier pour récupérer mes paillettes. Et, voilà. Et je vais venir mettre des paillettes sur le double face. Un pinceau. Pour enlever le surplus. Voilà ce que ça donne. Je fais pareil de ce côté. Et je viens récupérer mes paillettes. Voilà, on vient récupérer notre petit calepin et on va venir coller
J'ai plein de... J'ai nettoyé le devant et pas le derrière. C'est pas grave, on va lever le... De toute façon, le... La double face. Les paillettes, c'est envahissant. Vous entendez, la poule vient de pondre. Chaque fois que je fais une vidéo, maintenant ils se mettent à caqueter. Voilà, et on va coller l'autre côté avec le, allez, les paillettes de ce côté. Alors ensuite, je me suis préparé des découpes de fées avec le dies, les deux dies. Alors sur du papier, alors j'ai fait une découpe sur un papier pailleté gris. Ensuite celle-là aussi, ce que je vais mettre derrière. Ensuite j'ai sur une page fuchsia, le fuchsia j'ai fait une découpe pour pour le nuage. Je vais venir coller tout ça ici. D'abord, je vais coller la petite fée. Alors, ma colle ici. Je vais venir coller ma fée ici. Petit nuage et il est, c'est sympa ce dies de chez Action. Enfin, ils ont fait une collection assez sympa là et franchement j'ai eu de la chance de les avoir trouvés. Et d'habitude dans mon Action il n'y a jamais rien. Voilà pour la petite fée. Ensuite, je vais venir coller ici Happy Birthday. Je vais coller les étoiles. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre mon petit crayon à colle. Alors, j'essaie de refermer mon truc à colle. Là, je vais prendre mon petit stylo là. Je vais venir faire des petits points. Alors, je peux le faire là. Je vais essayer. Voilà, ce qui marche bien ici. Je vais faire des petits points. Je vais laisser sécher et ensuite je vais prendre des petites paillettes jaunes. Bon, je sais pas si je prends celle-là ou celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Que ça fasse brillant. Je vais essayer de le sécher, que ça aille plus vite avec ça. Voilà, je vais mettre des petites paillettes.
Je viens faire pareil de l'autre côté. Je viens coller ma petite fée. J'ai un peu trop mis de colle là, ça déborde. Je viens coller ceci, le fairy tale, le mot qui a dans ce die-ci. Je vais mettre un peu moins de colle. Alors c'est rigolo parce qu'il se coupe pas. Hein. Le F est tout seul. Tout seul, enfin il est pas accroché. Alors, moi j'avais découpé le je vais mettre un point sur le i. Enfin, c'est pas un point, enfin, c'est un point un peu étiré. Les étoiles. Alors, il m'en manque une, je sais pas. Je vais mettre les étoiles. Ici. Une autre ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire pareil. Je vais mettre des petits points dans la baguette. Que ça fasse un peu magie. Non. Ça se coller, je vais sécher et je vous reprends. Voilà, j'ai mis les paillettes et ce que je vais faire, c'est que moi il me manque une petite touche de noir. Dans mes créations, je mets toujours une petite pointe de noir. Bon, là il n'y en a pas, donc je vais rajouter ça avec mon petit stylo. Alors, le paper mat, j'aime beaucoup, pointe fine, et je vais venir faire un contour. Alors ça c'est facultatif, hein. Pas obligé. Et ensuite je vais venir faire ceci et mettre des petits points. Voilà, je fais un peu un zigzag. Je vais mettre des petits points. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai envie de faire comme ça. Voilà, je vais faire pareil derrière. Hein. Voilà. Voilà mon carnet est customisé. Prêt pour l'envoi. Alors, sur le même thème, j'ai réalisé le marque-page qui va aller se faufiler à l'intérieur. Voilà, pareil. J'ai fait le même thème que là. Je risque peut-être de rajouter ici une petite étoile. Je vais voir. Je vais voir comment ça. Bon, non, je vais le laisser comme ça. Peut-être ici. Je trouve que ça fait un vide. Je vais voir. Vous me direz ce que vous en pensez, le petit carnet customisé avec son petit marque-page. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye!